Salut les petits loups, comment allez-vous? C'est Leïane de l'Antre de Leïane et bienvenue dans un let's play découverte de Tomb Raider The Dagger of Sion. Un jeu, attention, non officiel de la franchise Tomb Raider. C'est un remake non officiel fait par des passionnés ou un passionné, un ou plusieurs, je ne sais plus, de Tomb Raider 2, sorti sur PlayStation et d'autres plateformes aussi. Ça fait un bon moment que le projet est en cours de développement. Sur Facebook, sur le site officiel, on n'a pas de nouveaux depuis août 2017. Et c'est fait avec le moteur Unreal Engine 4. Nous allons voir ce que ça donne sans plus attendre. Et moi qui voulais aller faire le manoir des Croft, on peut pas. Visiblement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut le débloquer, peut-être, je ne sais pas. On verra en bonus quand on aura fini la démo, puisque c'est une démo. Donc il n'y a que le premier niveau. Et souvenez-vous, on commençait dans une grotte au pied de la muraille de Chine. Eh bien, allons-y. Allons-y, Alonso. Ah, je vais faire quelque chose quand même. Voilà. Je vais essayer de la jouer à la old school, comme avant. Et si je galère, je remettrai, je désactiverai l'accrochage manuel. Voilà. Eh bien, on va y aller. C'est parti. Nouvelle partie. Difficulté des combats en mode normal, parce que je suis un warrior et que j'ai envie de souffrir aussi. Tutoriel, oui. Accrochage manuel, oui. Et le tir manuel, non, non. On va faire la visée auto comme dans l'original. Ça veut dire qu'on peut vraiment jouer en mode troisième personne, full troisième personne, sans visée auto. Ouais. Lara Croft, célèbre aventurière et archéologue, vient de trouver un ancien manuscrit racontant les mésaventures de Peng Bai, un moine tibétain ayant dérobé la dague de Xian à l'empereur Qin Shi Huang. Il y a de cela des siècles. Selon la légende, cette dernière, une fois plantée en plein cœur, permettrait de se transformer en dragon. En suivant les coordonnées de l'ancien document, Lara découvre sa prochaine destination, la muraille de Xin. Qui sait? Il s'agit peut-être du dernier tombeau de cet étrange artefact. Allez, c'est parti! Je vous laisse profiter de la cinématique. Et nous y voilà. Et voilà. Nous sommes donc dans... Ok. Donc on a l'inventaire. On peut utiliser le pompeux. On a des trousses de soins, des torches. On a le journal aussi. Attends. Lara... Ta voix en anglais, c'est bien, mais... Ouais, alors visiblement les voix en française n'y sont pas. C'est pas grave, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Bon, et bah du coup, c'est que ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ça a du cachet. Vraiment, ça a du cachet. Ça a l'air très beau. Ah oui, non, mais c'est très beau. C'est même très beau. Eh non! Putain! Bon, Nico! J'espère qu'il va pas s'écraser dans un commissariat!
Allez, je vous donne un cookie si vous avez la référence. Ah! Ah bah tiens, ça j'avais oublié la première fois, j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un journal! Que j'ai oublié la première fois. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai testé un petit peu avant. Et que ça a été. La première prise a été mais catastrophique. Allez, cette fois-ci, ça va être la bonne. Je vous laisse les fails. Parce que dans la première, il y avait pas mal de fails. J'ai essayé l'accrochage manuel. C'est un peu complexe. Mais je vais tester. Je vais tester l'accrochage complexe. Allez, on y va. Journal de Richard Dorton. Richard Dorton, explorateur, 16 septembre 1984. Quelle folie de partir à la recherche de la dague d'Oxyane. Mes recherches m'ont mené ici, dans cette grotte. Me voilà depuis 4 jours bloqué dans cet endroit et impossible de remonter à la surface. La peine à tenir sur ma jambe. Mais je vais tenter une dernière fois d'escalader la paroi. Aussi, il me semble entendre comme des grognements venant d'une bête féroce depuis un certain temps. Je me demande si cela est réel ou si je commence à perdre l'esprit. Johan, toi qui m'as accompagné ici, où es-tu? Eh ben, on peut dire qu'il n'a pas fait de vieux os. Voilà, la petite blague du jour, c'est fait. La blague spéciale Leyane, totalement prévisible. Donc, nous allons continuer sans plus attendre. Donc oui, la première prise, ça a été vraiment échec sur échec, fail sur fail. Et bah, c'était rigolo, mais ça allait 5 minutes. Donc je vais essayer 5 petites minutes de faire l'accrochage manuel parce qu'il faut. Le pire, c'est que. Alors peut-être qu'il faut que j'appuie sur. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Oui, c'est ça en fait. Il faut que j'appuie sur le bouton avant de sauter et que j'appuie sur croix ensuite. Je pense. C'est peut-être un peu complexe, hein, mais vous n'en faites pas. Si je vois que je galère, je me remets en accrochage auto. Ça va prendre 5 minutes à tout casser. À tout péter, comme le dirait. Ah, comment il s'appelle ce personnage dans Atlantide, l'Empire perdu? Déjà, je massacre un petit peu le nom, c'est pas grave. Mais, à tout péter. Allez, c'est parti. Alors là, ça va être assez complexe. Puisqu'il faut que je... Voilà. En fait, si. Si, je suis un peu mauvaise langue, mais... Il faut vraiment appuyer sur les deux touches en même temps. Ok, ça va, tout va bien. Le point de passage. Alors c'est peut-être là où j'ai eu le maximum de fail, mais ça va. Ah, il faut appuyer vraiment sur les deux en même temps. C'est quelque chose. Alors. Là, par contre, il faut que j'aille en face. Alors, attendez, c'est tout en face. Je risque de mourir. Attention. Non. Ah, le minou! Le minou! Voilà. Et le minou, ben, il va bien se régaler. Voilà, vous voyez? Il était là. Alors, on peut le buter, hein. On peut le buter, le minou. Et c'est vrai qu'il enquiquine un peu. Il enquiquine un peu. Il fait peur. Surtout quand vous êtes jeune et que vous jouez à Tomb Raider, hein, il peut faire peur. C'est possible. Ok. Ah bah voilà! Voilà! C'est que j'étais mal placé. Et du coup, je me retrouve. Ah, voilà. Alors, hop. Non. Alors, il faut se déplacer, voilà. Se déplacer un peu. Non. Ah.
Non. Déplace-toi, Lara. Ah, il faut attraper cette corniche. Wouhou! Et là, maintenant, faut sauter. Voilà. Et hop, allez, un petit poirier. Enfin, on fait pas le poirier, hein. Elle fait un équilibre sur la paroi. Est-ce que je peux... Alors, il y a des statistiques de niveau. Secret découvert, il n'y en a aucun. Et je n'ai fait aucune victime. Mais on peut sauvegarder... Voilà, on peut sauvegarder ici. Voilà. Non, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok. Alors là, attendez, il faut que je monte. Ok. Il y a des... Il y a voilà, des petits... Il y a des petits morceaux de... Non, mais... Voilà. Et voilà. Waouh. Et voilà, on est à l'intérieur de la tour maintenant. Les choses sérieuses commencent. C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau, hein. C'est... Y a pas à dire. Il y a du taf de malade là. C'est... Franchement... Buté comme je sais pas quoi. Ah! Ok, la porte est fermée. Visiblement, j'ai besoin d'une clé. Ou peut-être... Achat! Achat! Ah, visiblement, je peux pas foutre des coups de pied dans la porte pour la défoncer. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Bon, bah du coup... Ah! Non! Non, 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 non! Non! J'aime pas quand il y a beaucoup trop d'eau! J'aime pas! J'aime pas! Ah, j'ai pas pris mon maillot de bain! Bon, bah, peut-être. Est-ce que je peux... Je peux pas nager? Dites, c'est quoi cette arnaque? Ah, bah évidemment, si je mets le mauvais bouton. Ok, il n'y a rien ici. Ok. Ok, il y a des rouages. Il y a une petite énigme. Une petite énigme. Il va y avoir une petite énigme à résoudre. Je le sens gros comme une maison du zodiaque. Allez, c'est parti. Ah, bah oui. Évidemment. On doit tourner un truc. Lara procède un journal pouvant vous aider lorsque vous êtes bloqué. Tapez. Ok, il faut faire ça. Et il faut aller là. One of the two mechanisms to open the door is destroyed. However, those beams don't look solid. Perhaps my weight would be enough to unblock the mechanism. D'accord, donc l'un des deux leviers permettant d'ouvrir la porte est détruit. Cependant, ces poutres n'ont pas l'air solides. Peut-être que mon poids suffirait à dégager le mécanisme. D'accord. Donc. Ouais, voilà. Ça a dégagé une des barrières qui retient la porte, mais il faut que je trouve donc un moyen. Oh, attendez. Là, on a un... Ok, on a un truc. Comment dois-je m'y prendre? Il va falloir que je trouve un moyen. Non. Oui, alors. Où sont les plans? Où sont les poutres? Où sont les poutres? Où sont les poutres? Là?
Non. Ah. Ah. Ouais, mais ça ne... Oh là là, ok. Alors attendez, pour cela, il faut que je... Oui, voilà. C'est ça qu'il faut que je... C'est ça qu'il faut que je détruise, d'accord. Bon, on va essayer de trouver. On va trouver. Au pire, je ferai un jump cut ou... Voilà, une time-lapse. Avec une petite musique très gaie, très, très guillerette. Ça ne mange pas de pain. Ah, d'accord, voilà, ça y est. D'accord, voilà. Voilà. On y est. On progresse, on progresse, on progresse. Hop. Hop. Là par contre je vais avoir Attends, arrête-toi. Décale-toi un petit peu. Voilà. Un, deux et trois. Et là. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je descende un peu, voilà. Ah, voilà! Oula, chouette! Je refais la muraille de Chine! Bon, bah voilà. Wow! Holy guacamole! Oh! Mais c'est une invitation au voyage, putain! Oh, c'est juste... Voilà, on va marcher. Oh là 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 là! Mais on voudrait presque s'arrêter pour regarder le paysage. Je voudrais savoir. Non, je crois pas qu'il soit possible de. Non, je crois pas qu'il soit possible de. De descendre. Est-ce que je peux descendre? Attendez. Je sais que j'ai un point de sauvegarde, un point de passage pas loin. Mais on n'est jamais trop prudent. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si je vais là? Là! Non, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça sert à rien. Je vais pas tenter de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Bon, bah du coup, ça veut dire qu'il faut continuer. On va continuer, hein. On va voir où tout cela nous mène. Allez. Et pour le moment, à part le tic que j'aurais pu taper, j'ai pas eu vraiment eu. J'ai pas eu recours à mes armes. Ok. Donc il y a un tru. Il y a un tru. Est-ce que je peux, je dois aller dans le tru?
On va voir. Allons dans le truc. Bonjour! Qu'est-ce que vous avez? Un vieux document chinois, rédigé en ancien chinois, difficile à dater. Qin Shi Huang, notre empereur, est mort sur le champ de bataille. Je ne devrais pas l'écrire, mais cela me réjouit. Quand il était venu ici avec son armée, j'avais pu voir de mes propres yeux sa cruauté. Il était capable d'ordonner la mort de quiconque d'un simple geste de la main. Cet enfant méritait-il de se faire égorger par un simple morceau de viande, pour un simple morceau de viande volé? Je n'arrive pas à enlever cette image de l'esprit. Je vais arrêter, là, ça devient un petit peu bizarre. Après, faut prendre ça avec humour, je suis désolé, hein, l'accent chinois, Michel Leeb l'a fait, hein, pratiquement tout le monde l'a fait. Ah. Qu'était-il venu faire, Qu'était venu faire Qin Shi Huang ici? Je l'ignore. Mais l'on dit que ces soldats qui ont fouillé les catacombes de la muraille ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Pourquoi certains avaient surnommé l'empereur le dragon de Puy. Qu'importe, il est mort. Toi aussi. Ouais, par contre, c'est très très la gaieté ici. Je vais peut-être vite me casser. Ah, c'est la gaieté, on se croirait dans les catacombes de Paris. Peut-être que... Ah non. Ah non, il est tombé et... Il est tombé raide dingue de Lara Croft. Voilà. Je devais en sortir une autre. Par contre, on y voit. J'y vois presque rien. J'y vois rien. Voilà. Et la lumière fut. Ah! Des munitions de fusil, je me disais. Je me disais que j'étais pas venu pour rien ici. Bon, bah, du coup, y a plus rien. Allez, allez, en avant, Guingamp. Il faut passer la suite. Il faut passer. Il faut voir la suite du jeu. Ah! Non! Ah, ça y est! Il y a du combat! Y'a du combat! Y'a des volatiles! Y'a des corbeaux! Y'a les oiseaux! Y'a Alfred Hitchcock! Ah! Ok. Y'avait pas de quoi s'inquiéter. Mais voilà. On avance, on avance, on avance. Alors ils disent, secret découvert, aucun. Y'a des secrets à découvrir dans cette démo ou pas? Et si oui, est-ce que je les ai, est-ce que j'en ai oublié? Bah ça m'intrigue. Alors. Oh là. Oh là. Par contre, Ah! D'accord. D'accord. Donc en fait, il faut que je recule ou que... Ouais, attendez là. C'est quoi votre... Ah, mais c'est quoi votre délire là? C'est de descendre... Non, parce que là, si je me jette... Si je me jette dans le vide, je m'écroule, je me croûte sur les cailloux. Je mange les cailloux. Je fais le goron. Est-ce qu'il y a moyen de se retourner, genre en mode... Non, ok. Ça va sentir la timelapse. Ça va sentir la timelapse.
Parce que là, visiblement, je ne vois pas du tout. Faut que j'aille en face. C'est vraiment, mais c'est vraiment haut. Mais c'est vraiment haut pour que je me glande? Non mais attendez là, attendez, attendez, attendez. C'est haut. C'est haut. Le journal de Lara Croft peut-il me dire quelque chose? Les ruines sont très instables. Je devrais vérifier l'environnement avant d'essayer une acrobatique session. Dac. Ces ruines ont l'air très instables. Je ferais mieux de bien observer l'environnement avant de tenter une session d'acrobatie. Ça qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est pas par là. À moins qu'il faut tout simplement sauter. Genre. Non, mais... Ok, mais... Ok, alors, le saut. Alors, la descente tout doucement, ça marche pas vraiment. Là, le saut, ça fonctionne pas vraiment. On va essayer les autres options. Prochaine option. J'avoue que je n'en sais rien du tout. Il faut aller où? Faut aller où? Où aller? Où dois-je aller? Dac. C'est bon. J'ai trouvé. Et maintenant... Ah voilà. Ah ok 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 j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va refaire. Ça m'a pas pris longtemps. Ça m'a pris que quelques secondes en fait. Il y a ça et il y a une fenêtre. Et bien entendu, bah il y a une marque pour vous dire ben c'est peut-être ici hein au lieu de faire l'andouille et d'essayer de sauter dans le vide là. Ah, tu devrais peut-être essayer d'aller dans ce petit interstice là, au lieu de faire ton baka. Et là, voilà. Et là, maintenant, essayer de choper, voilà, cette corniche. Voilà. Là. Tac. Ok. Ah par contre là oui là je suis vraiment obligé de faire ça. Sauter en face. Ah ouais. Le jeu qui a envie de guaquer. Genre. Ah mais genre faut que je me lâche et que je m'accroche en bas? Ah ouais d'accord. Le jeu le jeu a carrément envie de guaquer le joueur. D'accord. Bon bah écoutez hein. C'est pas comme si non c'est dans l'autre sens. Ouais en fait ok ça y est. Je comprends un peu où il faut passer en fait. Les briques sont un peu plus foncées. Mais sérieusement, faut pas avoir des problèmes de vue ou être daltonien, hein, je vous dis. Elles ont une légère nuance. Non. En fait, faut peut-être se dépêcher, là.
Bon, alors visiblement, la descente normale, ça ne fonctionne pas bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Hop. Je fais le singe. Spider-Man, Spider-Man. Di-da-di-da-da-da. J'avais oublié qu'il fallait que j'ai grillé une étape. Une étape. J'ai grillé une étape. Ah, pas grand-chose, vous en faites pas. C'est pas grave. De toute façon, maintenant qu'on a trouvé, on va pouvoir facilement y arriver. Mais vous en faites pas. Voilà. Voilà. Voilà, ok. Là, voilà, on est bon. Voilà! Et là... Je vais pas pouvoir l'attraper. Je vais pas pouvoir l'attraper. Ouais, je veux pas l'attraper. Il faut que je revienne en arrière. Faut peut-être que je revienne en arrière, en fait. Non. C'est vrai que c'est... Il faut vraiment être en... Voilà. Voilà. Vite, là. Voilà. Là, il y a vraiment... Ah, ok, ok, ok. Dac, ok. C'était aussi simple que ça. Pourquoi j'ai essayé de chercher compliqué. Bon. Il n'y a visiblement rien du tout. Bon, et ben allez, hein. On y va. On continue. Ah! Pourquoi tu me demandes de sprinter? Parce qu'il y a un énorme gouffre! Ouh là 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 là! Et puis il y a un lac aussi. Ah, il y a un lac. Attends. Je peux pas monter. Ah oui, je peux pas monter. Le jeu, il me dit non. J'ai peut-être coupé un truc en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, attention, mesdames et messieurs. Oh là là. Pour nager plus vite. D'accord. Ok. Ah, il y a des poissons. Il y a des petits poissons. Des petits poissons dans l'eau. Bon. Alors.
va essayer de visiter. Visitons. On a une cascade. Est-ce que dans la cascade, il n'y aurait pas un petit secret? Bien souvent, derrière les cascades, on y trouve des secrets. Ou au pied de la cascade. Ouais, alors attendez. Parce que ça m'a l'air d'être le chemin. Ça m'a l'air d'être le chemin qu'il faut. Tac. On peut choisir une arme secondaire. Oh! Wow! Lalalalala! Wouhalalalalalala! Il va me... Oh, il m'a surpris. Waouh, je m'y attendais pas vraiment. Waouh. Ah. Ah non 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 non. Non. Ok, j'ai tué. J'ai tué. Ok. Ok. Non. Non. Aïe. Meurs. Bouté par la maman tigre! Bouté par la maman tigre comme une grosse merde! Bon, c'est pas grave. Je suis là. Je peux tenter quelque chose. Ok, alors attendez. Hop! On va tenter un truc. Attention! 1, 2, 3, sautez! Et je me suis cassé le col du fémur! Ben c'est pas grave, j'ai des médikits! Ah merde! Oh là là! Ok, alors. Avant qu'on se. Bref! Avant qu'on s'occupe de. De papa et maman tigre, que je leur refasse les moustaches, on va aller voir. Sous la cascade. Putain, il m'a surpris. Il est caché derrière le buisson. Il est en mode, mais... Coco. Y'a rien? Non. Ah si. Si, si, il y a une clé. Oui, la clé rouillée. Je me disais. Ah bah non, par contre, il va falloir... Là, par contre, il va falloir vite remonter. Ok. Il y avait bel et bien quelque chose. Une clé rouillée. Donc, bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, on va changer... On va changer d'arme. Voilà. On prend le pompeux. Aïe, putain, mais... Mais même... Même... Même si je sais... Je sais qu'il est là... Il me défonce. Il arrive quand même à me défoncer. Ah... Tu n'es qu'un petit abruti. Bon, alors là, je sais qu'il y en a un autre. Je sais qu'il y en a un autre. En fait, il y a plusieurs chemins.
Va me booter. Ok, ok. Voilà. Il faut que je recharge là. Ok. Un petit medikit, ça fait du bien. Des torches. Même si j'ai utilisé ça qu'une fois. Ça peut servir. Bon, et bah écoutez, hein. Maintenant, je me méfie. Je me méfie. Autant vous dire que je me méfie. Attendez, hop. Attendez, mais là. Mais je dois aller où? Allô? Allô? Oui. Plaît-il? Comment? Plaît-il? J'ai une clé rouillée. Que dois-je faire avec? Où dois-je aller? Attendez, je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, sauvegarder par ici. Parce que là, je vous avoue que je n'en sais rien. Va falloir que je cherche la porte. Faut chercher la porte. Il me faut une porte. Il y a la cascade. Où est-ce que je dois aller? C'est ça le truc. Où dois-je aller? Je vais voir un truc. Il y a quelque chose qui m'intrigue là. Ah mais putain, j'étais dans le rocher. Non. Là, il y avait la clé. Donc du coup, c'est bien là où j'étais. Ok, c'était là. D'accord. C'est bon, j'ai trouvé. C'était pas dans le petit canyon de merde. C'était là. Par contre, je ne vois rien. Ouh là là. D'accord. Bon alors avant. Alors attendez, parce que là, je me retrouve, mais...
faut que je saute. J'ai pas vraiment envie de me suicider. Je vais plutôt passer par là. Si ça se trouve... Oh. Ok. Comme qui dirait quelque chose. Il y a comme qui dirait quelque chose, c'était un trou. D'accord. Bon, bah écoutez. Voilà, donc c'est sur cette première vidéo que nous allons nous arrêter. Nous reprendrons dans une autre vidéo la suite de cette démo de Tomb Raider, The Dagger of Sion. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, je n'arrive plus à Paris. Allez, ciao les petits loups. Peace.